Première thèse, donc il y aura trois thèses dans cette, dans cette séance. Première thèse, il n'y a que de la matière. La deuxième, la mort n'est pas à craindre. La troisième, les dieux ne sont pas à craindre. Tout ça se, se tient et, et s'induit. Mais première thèse, il n'y a que de la matière. La physique d'Épicure de, est, est, est très nettement une physique qui s'inspire du matérialisme abdéritain. Souvenez-vous, le CIP. Et démocrite qui sont des individus qui chez les présocratiques ou classés chez les présocratiques euh, bien qu'étant des contemporains de, de socrate pour euh, démocrite disaient effectivement que l'ensemble de la réalité se réduisait à des atomes à du vide et à des mouvements de ces atomes dans le vide. ça paraît simple a priori mais cette conception de la physique elle induit une éthique et c'est cette éthique qui nous permettra de nous réconcilier avec nous-mêmes et, et avec, euh, avec les dieux car il y a des dieux chez Épicure. Les atomes sont donc en mouvement et tout est réductible à ces mouvements d'atomes. Il y a des simulacres, souvenez-vous, nous en avions également parlé. Finalement, on pourrait, on pourrait faire une thèse tout entière sur la différence de la philosophie de la nature chez Démocrite, Épicure, Lucrèce et quelques autres, Diogène de Nanda, enfin prendre tout l'épicurisme et voir ce qu'a été le statut de l'atome. Est-ce qu'il a été pesant Est-ce qu'il était lourd Est-ce qu'il avait des, des formes particulières Est-ce que, enfin bon, On pourrait, euh, pourrait s'exciter sur la question de la physique. Là, on n'entrera pas dans le détail. Il faut savoir que cette physique, elle est l'occasion de penser un comportement par la suite, un comportement qui, vous, euh, qui, su, qui suppose un rapport entre vous et vous, entre vous et, et les autres, et entre vous et le monde. C'est à partir de cette physique, aussi bizarre que ça puisse paraître, cette conception des atomes, qu'on va pouvoir fabriquer une, une éthique qui est celle des piqûres. A l'évidence, le, le combat... Il est mené contre, contre Platon. Platon n'est pas toujours signalé comme tel, comme l'ennemi à abattre, mais ça reste l'individu, on en a parlé également, mais l'individu qui domine de sa haute figure, de sa haute stature, la, la philosophie grecque. Et on pense souvent contre, on pense même sans forcément le dire, sans forcément dire qu'on attaque telle thèse ou tel individu ou telle pensée ou tel dialogue de Platon. Il se fait que nombre des hypothèses ou des thèses d'Épicure et de l'Épicurisme sont des hypothèses qui sont lancées contre, contre Platon lui-même.